Abibay tacle les nouvelles règles de l'arbitrage. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler un tout petit peu d'arbitrage, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors, les gars, l'arbitrage devient de plus en plus catastrophique ces derniers temps. C'est inadmissible que. Je reviens sur le pénalty causé par Upamecano en Ligue des Champions, match retour face à Manchester City, les gars. C'est inadmissible que Upamecano, on voit bien que dans un premier temps, il met les mains derrière le dos et ensuite, les mains décollent légèrement, ça touche le ballon. La question que moi je pose toujours, c'est que comment un défenseur peut barrer de manière continue avec les mains au dos? Tu veux sauter, tu as les mains au dos. Quand est-ce que tu vas prendre les clés? Parce que pour bien sauter, tes mains doivent être libres, entre guillemets. Pour avoir l'équilibre, comment un joueur va bien sauter en ayant les mains au dos? Ça me paraît très compliqué. Et lorsque ta main se décolle un tout petit peu du corps et que ça touche le ballon, ou bien l'inverse, ou c'est le ballon qui vient toucher la main, on se fait le penalty, les gars. Pour moi, je reste dans la logique que s'il y a intention, si tu le fais de manière exprès, on se fait le penalty. Si ce n'est pas exprès, il n'y a pas penalty. Point. C'est quoi cette histoire que le ballon touche la main, peu importe la manière, il y a pénalty. Non. L'arbitrage à l'ancienne, moi, je trouve ça, surtout au niveau des mains, hein, je trouve ça plus original. C'était plus original. Maintenant, c'est du n'importe quoi. On siffle quasiment toutes les mains. Toutes les mains sont sifflées, les gars. Toutes les mains. Et c'est normal, ça. Donc, à un moment donné, les mecs, les arbitres doivent vraiment revoir les façons d'arbitrer, les gars. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi, donne-moi ton retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on te dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.